Je suis né avant la guerre. Avant la guerre, en 1937, l'enfance à Bonifacio a été entrecoupée parce que comme mon père était dans les eaux et forêts, hein, il avait été d'abord à Figueres, ensuite à Lévis, hein, on y est resté pendant longtemps, après à Porto-Vecchio. Mais pendant toutes les vacances, on revenait à Bonifacio, sur le port de la marine, au-dessus où habitait ma grand-mère, au-dessus du bar des falaises qui lui appartenait. Ah, je suis un épicurien, mais j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Et la peinture, on dit souvent que la peinture, c'est un peu de la cuisine. Je fais ma cuisine. Tant que je n'ai pas bien tout assaisonné, je continue. Je continue à chercher l'assaisonnement idéal, de façon à ce que la femme retrouve ses belles joues, que le paysage retrouve son petit pic, le regard des yeux, les lèvres grosses. Il faut mettre ce qu'il faut. C'est ma quête perpétuelle, ça, l'univers de beauté. Voilà. Et je le dis sans arrêt, je crée mon univers de beauté, effectivement. Pour découvrir l'univers de Fanfan Salvigna à Ajaccio, il faut lui rendre visite dans son immense atelier qui est aussi son lieu de vie. Un lieu qu'il a créé de toutes pièces, un espace de partage, de travail et aussi une galerie qui retrace toute une vie de peinture. Puisque Fanfan peint tous les jours sans relâche des paysages, mais surtout des portraits, principalement des portraits de femmes, blondes, brunes, rousses, jeunes ou plus âgées, les visages fascinent l'artiste. Il aime en saisir la beauté et l'expression des émotions. Je travaille vite, mais je ne suis jamais satisfait. Donc je reviens beaucoup, mais les premières esquisses sont très vite faites et je reviens. Vous savez, je rends hommage à des gens qui m'ont accompagné au cours de ces quelques années. Je pense à mon ami Alfred Pozzo-Diborg et à François Bassoul. Ça les satisfaisait. Ce que je faisais était, pour eux, était très convenable. Donc je continuais. C'est avant tout un besoin de recherche. Donc il faut un peu se casser les neurones, les nettes. C'est un besoin. Mais ça me procure, c'est certain, comme à beaucoup, ça procure une bonne détente. Mais c'est surtout. Et mas un castigo, un pintura. Et castigo. Vous savez que toutes les bonnes choses, chaque médaille a toujours son revers. C'est compliqué. Parce que plus vous avancez et plus vous trouvez confronté à des grosses difficultés qu'il faut résoudre. Et je n'ai pas tout résolu jusqu'à présent. Et alors, c'est de la satisfaction, du bonheur. Moi, j'avais dit ça, c'était une colère un peu maîtrisée, vous voyez, de la violence que j'ai peut-être en moi, vous voyez, que j'essaye de maîtriser. Il y a tout ça dans la peinture. Il n'y a que les femmes qui m'apaisent. Les portraits de femmes qui m'apaisent. La ville impériale l'a tellement inspiré qu'on le croirait ajaccien. Mais Fanfan Salvigne est né en 1937 à Bonifacio. Il y passe une grande partie de son enfance et s'imprègne de la beauté, des couleurs, de la lumière de la cité du Sud. À Ajaccio, il mène sa carrière professionnelle dans l'équipement hôtelier. Autodidacte, il découvre la peinture par hasard, un jour qu'il est grippé et qu'il s'ennuie. Très vite, ce mode d'expression devient une passion et un besoin. Et il y consacrera la majeure partie de son temps, enchaînant les expositions, donnant aussi quelques cours. La peinture devient le centre de sa vie et même son mode de vie. Fanfan Salvigne peint comme il respire, une peinture simple, franche, généreuse, à l'image de l'artiste qui aime la vie, les gens et qui recherche la beauté en toute chose. Je pense que je suis dans un courant qui a déjà existé. C'est de l'impressionnisme. C'est un peu un impressionnisme abstrait. Je vis dans un monde un peu idéal à travers mes peintures. Parce que lorsqu'une femme a un petit défaut, je le lui gomme. Donc je fais de l'idéal. Lorsqu'un poteau télégraphique me déplaît, je le gomme. C'est un peu. Voilà, c'est un peu la recherche
la recherche d'un idéal. La recherche d'un idéal. Vous voyez, je n'aurais pas vécu pour rien, parce que au moins, je laisserais quelque chose d'à peu près. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce désir un peu de thésauriser, de garder jusqu'au bout tous mes tableaux. Vous voyez, c'est un peu ce désir de possession, de posséder. Voilà, ça je les possède avec joie, avec plaisir, avec délectation. Thank you.